Je suis très heureuse d'accueillir Frédéric Gros et encore une fois, vous pouvez trouver sa biographie dans la brochure du programme. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, je voudrais commencer par adresser aux organisatrices et organisateurs de ces journées, mais aussi à vous toutes et tous des remerciements et quelques excuses. Remerciements d'abord pour m'avoir fait l'honneur de cette invitation qui m'a moi-même invité à aller chercher pour traiter ce sujet de Foucault et Marx au Collège de France, sujet à la fois incontournable et impossible, vous allez voir pourquoi, à aller chercher quelques inédits que j'ai pu trouver à la Bibliothèque nationale de France, puisque l'ensemble des archives de Michel Foucault, qui représente à peu près 40 000 feuillets, a été vendu à la BNF, et c'est un trésor parce qu'effectivement, vous avez des inédits, et je vous en citerai quelques-uns pour éclairer ce problème. Excuse maintenant d'avoir, pour des raisons personnelles, mais consistantes, chamboulé par deux fois l'agenda des interventions. J'étais prévu le vendredi, et puis Madame Surprenant m'a dit « pas de problème, ce sera le jeudi ». Et le jeudi, ensuite, je lui ai expliqué que je ne pouvais pas intervenir tout à la fin. Donc, désolé, et bon, mes excuses auprès de Monsieur Prochasson et aussi de Monsieur Lépina. Voilà. Alors, je vais parler de ce rapport de Foucault à Marx en distinguant deux grands moments. Un moment Collège de France, évidemment, mais je commencerai par un moment École normale supérieure de la rue d'Ulm. Donc, si vous voulez, les années 51-55 d'abord, et ensuite les années 70-73, donc les débuts de Foucault au Collège de France, avec en transition les années, mettons, 65-67. Donc, première période que je vais reconstruire devant vous. Foucault est tout jeune, il a à peine 20 ans. Il est, mais c'est indispensable pour moi d'avoir cette période en tête. Et juste avant le départ en Suède, il donne des cours à l'école normale et il va donner un cours qui s'appelle La question anthropologique, qui a été édité d'ailleurs dernièrement, où il parle un peu de Marx. À ce moment-là, il est répétiteur de psychologie à l'ENS. Foucault n'a été considéré que tardivement ou reconnu que très tardivement, c'est quelque chose d'ailleurs qu'il a un peu blessé comme philosophe. Il a vraiment fallu pour qu'il soit recruté pour enseigner la philosophie, en fait la Tunisie. Hein, c'est quand il part en Tunisie qu'il part sur un poste de philosophe. Bon, cela dit, il reste à l'école normale, il était déjà élève à la rue d'Ulm, et il y reste parce que Louis Althusser a insisté pour que Foucault devienne répétiteur, et donc répétiteur de psychologie à l'école normale. Je vais donner quelques éléments importants pour cette période. Bon, d'abord, je viens de l'évoquer, mais quand même une estime intellectuelle, mais aussi une camaraderie assez forte avec Louis Althusser, qui était son année, mais de 3-4 ans, vraiment, ils sont à peu près de la même génération. Alors, il y a même presque un trio, il y a aussi un certain Jacques Martin, qui n'est pas celui qu'on connaît tous immédiatement, qui était un... semble-t-il un philosophe et germaniste absolument génial et qu'on appelait le philosophe sans œuvre parce qu'il n'a jamais rien pu produire à part un petit mémoire sur Hegel. Donc il y avait ce trio d'Hegeliens à Normale Sup. On trouve aussi, dans cette période, c'est quand même l'encartement de Foucault au Parti communiste français, ça ne va pas durer longtemps, mais il prend sa carte. Il existe un site que vous trouvez sur Internet qui s'appelle FFL, Foucault Fiches de Lecture, où l'intégralité des fiches de lecture, ça représente quand même 10 000 feuillets, ont été scannérisés, sont disponibles, et vous pouvez rentrer, Marx par exemple, enfin c'est ce que j'ai fait évidemment. Et je me suis aperçu que ça date de ces années-là. Il avait énormément lu Marx à l'époque dans la traduction de Jules Molitor, qui était quand même la traduction des années 30, 40, 50.
Il l'a beaucoup lu, beaucoup annoté, surtout d'ailleurs les premiers textes, mais quand même le Capital aussi, il a constitué des bibliographies. Donc voilà, il y avait un travail de base sur les textes de Marx, ça c'est évident. Et puis on a ce texte dont je vais vous parler un peu aujourd'hui, avant d'en venir au Collège de France, ce petit texte dans la question anthropologique qui s'appelle « L'homme réel et l'homme aliéné ». Voilà. Je resitue, je me permets de redonner encore un élément de contexte, mais vous allez voir, très important, un contexte géopolitique essentiel quand même, c'est la progression inéluctable de la guerre froide. Et au début des années 50, le rideau de fer lentement descend sur l'Europe pour la couper en deux, et vous avez par exemple en 1947, paraît dans la revue Europe, la version française de la lettre sur les arts, la littérature et la philosophie de Jdanov, qui précise déjà qu'il faut quand même bien faire la différence entre la philosophie qui est et demeure essentiellement bourgeoise, surtout dans sa version hegelienne, et quelque chose qui s'appelle la science matérialiste de l'histoire, qui, elle, est du côté de Marx. Donc ça date vraiment des années 47-48, hein, cette espèce de dualité. Althusser, lui, prend sa carte au Parti communiste français dès 48, et il fait paraître en 1950 dans la revue de la Nouvelle Critique, qui était la revue du Parti communiste français, pour aller vite à l'époque, un article qui s'appelle « Le retour à Hegel », assez cinglant, assez virulent, assez violent, où il dénonce par exemple la nomination de Hippolyte à la Sorbonne en disant « Bah voyez, ça c'est le vrai triomphe de la philosophie bourgeoise, parce que Hegel, évidemment, c'est la philosophie spéculative bourgeoise. » Alors que lui-même, Althusser, avait défendu quelques années avant, hein, à peine, l'idée que Hegel, c'était la substance philosophique de Marx, qu'on ne pouvait pas lire Marx sans Hegel, etc. D'accord ? Et puis, au même moment, d'ailleurs, vous avez des articles qui sont quelque chose comme le reflet de ce que je suis en train de vous dire, mais le reflet inversé, des articles d'Hippolyte ou de Gurvitch, qui vont parler, alors c'est la fameuse coupure, non plus la coupure entre Hegel et Marx, mais cette fois la coupure entre le Marx de la jeunesse et le Marx du Capital, hein, l'année 45, enfin l'idéologie allemande faisant la transition, et Althusser, si vous voulez, enfin pardon, Hippolyte et Gurvitch, là jouent la carte du Marx vrai philosophe, humaniste, avant de sombrer dans le marais du positivisme économiste, etc. Or, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il faut bien avoir en tête que pour Foucault, dans ces années 50, le problème qui se posait à l'École normale supérieure, c'était alors hegelien ou marxiste? Il fallait choisir. Et quand on avait dit marxiste, oui, mais attends, mais le Marx, le premier ou le deuxième Marx? Et cette pression était assez terrible peut-être pour Foucault, parce qu'il était à la fois adoubé par Althusser et disciple de Jean-Hippolyte. Hein. Il avait été fasciné par les cours d'Hippolyte au lycée Henri IV quand il était monté à Paris pour les classes prépa. Il avait fait un mémoire sur Hegel sous la direction de Jean-Hippolyte. Et confronté à cette espèce de dilemme impossible pour lui, dans cette présentation de Marx, il prend une espèce de tangente complètement incroyable, et il la reconnaîtra en 78 en présentant un Marx complètement nietzschéen. Et d'ailleurs, en 78, il dira dans un entretien, « Vous savez, quand je repense à ma jeunesse, c'est vrai, j'ai été au Parti communiste, parce que oui, le marxisme, ça me tentait quand même beaucoup plus que l'existentialisme, parce que ça, je ne pouvais pas, l'existentialisme. Mais enfin, j'ai été, je reprends son expression, un communiste nietzschéen. » Voilà. Et il donne une version de Marx dans ces années-là, donc en 55, au moment où il fait cours sur Marx à l'ENS, voilà, il présente un Marx nietzschéen. Alors, je vais vous donner seulement 4 citations au moins de ce « Qu'est-ce que c'est qu'un Marx nietzschéen ?» D'abord, il dit, ça peut sembler assez classique, il dit « Marx est une pensée du processus ». Une pensée du processus, ça veut dire quoi?
prends des exemples, il ne s'agit plus de poser la question « qu'est-ce que la médecine ?» mais « qu'en est-il de la médicalisation des existences ?» Le problème n'est pas « qu'est-ce que c'est que la sexualité des enfants ?» mais « qu'en est-il de la sexualisation des enfants ?» etc. C'est-à-dire, on ne raisonne plus en termes d'essence, on n'est plus platonicien, on décrit des processus, mais, ce que jusque-là, c'est Hegel, si vous voulez, mais ce qui fait qu'on est vraiment marxiste, c'est que les processus qu'on va décrire, ce n'est pas l'autorévélation de l'esprit, c'est des processus historiques, pratiques, etc. D'accord ? Donc, il y a, premièrement, Marx, une pensée du processus. Deuxièmement, il dit Marx, c'est une pensée de l'actualité. Alors, il a cette phrase, il écrit « L'interrogation philosophique ne fait qu'une seule et même chose avec un problème réel ». Et en disant, c'est ça l'horizon, le changement radical de l'horizon philosophique de Marx, c'est ça. Bon, mais ce qui ne veut pas dire, parce que ça ne veut pas simplement dire, vous savez, la philosophie, ça doit prendre comme objet l'actualité et non pas les questions éternelles, mais on comprend en lisant ce texte que ça signifie que l'actualité est quelque chose comme la chair même de la philosophie et que la philosophie n'est que la nervure de l'actualité. C'est-à-dire c'est un rapport d'entre-là et qui annonce déjà, mais sous la bannière de Marx, ce que pourra dire Foucault quand il dira « Oui, la philosophie, Nietzsche m'a appris que c'était un diagnostic du présent » ou à la fin de sa vie, quand tu prendras Kant en disant « Oui, on fait une ontologie du présent » ou même « une prophétie de l'instant », etc. D'accord ? C'est-à-dire toutes ces grandes caractérisations par Foucault de la fonction ou de la nature de la philosophie, la première fois qu'il les donne, c'est dans ce cours sur Marx. Troisièmement, une pensée de ce que j'appelle, je n'ai pas trouvé mieux, la vériliberté. J'ai osé ça parce que Balibar avait parlé déjà de l'égaliberté, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer la vériliberté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous donne, c'est la dernière phrase de la leçon sur Marx. Le marxisme, il faut le prendre comme la première, la plus claire et la plus profonde de ces expériences que l'homme fait obscurément depuis plus d'un siècle, qui est la fin d'une philosophie, la fin d'un art, la fin d'une vérité, la découverte que l'homme et la vérité ne s'appartiennent l'un à l'autre que dans la forme de la liberté. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, ce par quoi il faut être saisi, c'est par cette espèce de lien analytique entre la vérité et la liberté. Parler vrai, c'est toujours parler librement. Voilà. Et ça, si vous voulez, il en fera quand même le paradigme même de la parole nietzschéenne. Hein. C'est cette idée que la pensée ne doit s'ordonner qu'au risque de penser librement. Est-ce que l'homme n'est pas un mensonge ? Est-ce que la nature n'est pas un chaos ? Est-ce que la raison n'est pas une folie, etc. Cette ce que j'appelle la vériliberté, c'est-à-dire cette pensée qui ne s'ordonne qu'à l'impératif d'une liberté, mais ce qui ne veut pas dire non plus exactement penser n'importe quoi. Je veux dire, il ne faut pas tomber non plus dans des critiques à la Bouvresse qui consistent à dire oui, c'est du nihilisme, du scepticisme, etc. Non, ça veut dire que, effectivement, c'est un peu le programme des Lumières aussi, en tout cas même pour Foucault, ce qui doit animer la philosophie, c'est vraiment cette liberté de penser. Et enfin, quatrième caractérisation qui est aussi assez intéressante, c'est-à-dire qu'au fond, Marx, quand il pense la philosophie, penser authentiquement la philosophie, c'est toujours penser la fin de la philosophie. Alors, ça peut sembler assez, comme ça, assez paradoxal, enfin, d'autant que ça s'oppose à la première version, si vous prenez le protreptique d'Aristote. Vous trouvez l'idée, c'est devenu assez banal, assez classique, de dire « oui, pour répondre à la question « qu'est-ce que la philosophie ?», il faut déjà commencer à philosopher, ce qui veut dire que la philosophie ne cesse de s'auto-légitimer et que penser la philosophie, c'est penser la légitimité de la philosophie en même temps. Et là, vous avez cette espèce de renversement où Foucault dit « bah oui, mais à partir de Marx, penser philosophiquement, c'est penser la liquidation de la philosophie. »
penser la fin de la philosophie, etc. Et il écrit « Le marxisme, c'est la fin de toutes les philosophies de l'homme et même, il continue, c'est philosophiquement la fin de tous les humanismes. » Alors, il faut voir, ces textes sont écrits entre 54 et 55, on y voit le squelette, les grandes thèses des mots et les choses. C'est ça qui est assez fou. C'est-à-dire toutes les problématiques de l'anti-humanisme, de la fin de l'homme, de la fin de la philosophie. Sauf que c'est Marx qui fait exploser le dispositif anthropologique du 19e siècle. Bon. Donc vous avez cette espèce de petit éclair au début, on est en 55. Si on prend les choses 10 ans après, 66, alors là, si vous voulez, retournement complet. Quand je dis retournement complet, vous avez quand même la phrase qui a fait grincer des dents dans les mots et les choses en disant le marxisme est dans la pensée du 19e siècle comme un poisson dans l'eau. Prolongé dans un autre entier où il dit les grands responsables de l'humanisme contemporain, mais il faut entendre une espèce de dédain dans l'humanisme contemporain dans la bouche de Foucault, ce sont évidemment Hegel et Marx. Dans un cours intitulé « La place de l'homme dans la pensée occidentale », il écrit « La philosophie marxiste est une modalité profondément réactionnaire de la pensée ». Enfin, vous voyez, on est vraiment à l'inverse, au moment de la parution des mots et les choses. C'est-à-dire au moment aussi du triomphe de l'althussérisme philosophique. C'est le moment, c'est pour Marx, etc. D'accord ? Et là, vous avez ce mouvement de et ce sera quelque chose que Sartre ne lui pardonne pas à ce moment-là, etc. Mais en tout cas, de virulence extrême envers Marx au milieu des années 60, à ce qui correspond à ce qu'on appelle sa période structuraliste, pour autant que ça veuille dire quelque chose, mais enfin, vous voyez. J'en viens maintenant donc au premier cours au Collège de France, 70, 71, 72. Je prends juste ça parce que si vous voulez, on ne peut pas... Alors là, je donne deux, trois éléments de contexte. Quand même, Foucault n'était pas en France en 68, il était en Tunisie. Mais en Tunisie, la répression des révoltes étudiantes a été très, très dure. Il a protégé des étudiants, etc. Il a compris ce que c'était qu'une répression policière féroce. Et il entendait ses étudiants révoltés aller puiser immédiatement dans les slogans marxistes de quoi s'animer, de quoi animer leur révolte. Il crée, c'est les années aussi de création du groupe Information Prison. C'est les premières fois où il va aux États-Unis, et c'est lié, hein, puisqu'il a cette phrase, il dit « c'est quand je suis allé aux États-Unis, à New York, que j'ai compris que la lutte des classes, ça existait encore ». En Europe, je ne me rendais pas compte. Mais en allant là-bas, vraiment, j'ai compris ça. Et quand il va visiter une prison, la prison d'Attica, dans l'État de New York, il dit, bah oui, voilà, maintenant, ce que je veux faire, je lis, hein, c'est de comprendre quelle importance les prisons, quel rôle jouent les prisons dans la lutte des classes, etc., comment ça reconduit, comment le système pénal reproduit... des exercices de maintien du pouvoir, etc. Donc, là, on va avoir une réappréciation de Marx, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont ça va se jouer au Collège de France. Comment ça va passer ? Alors, ça va passer de manière très, très curieuse, parce que au Collège de France même, chaque année, il dit au moins une fois le nom de Marx. Pas plus d'une, mais une fois. Voilà. Chaque année, d'accord. Bon. Après, il s'arrête en 80 parce que c'est là, il commence à faire les cours sur les sagesses grecques, etc. Donc là, c'est peut-être un peu trop éloigné, mais jusqu'en 80, au moins une fois, mais en citant à chaque fois un texte très précis, chapitre 4, livre 2 du Capital, ou article sur le vol du bois de 1842, ou une lettre de Marx à Engels, etc. Donc, une seule référence est très précise, d'accord ? Et ce dont on s'aperçoit, je m'aperçois, moi, que je vais un petit peu lentement, donc je vais essayer d'aller plus vite. Je vous donne juste les exemples, et ensuite, je les resserre autour du dispositif
si vous voulez, de citations. Premier exemple, 1971, il parle de l'argent, de la monnaie, il se pose la question de l'invention de la monnaie, et il dit, oui, on pourrait, de l'invention de la monnaie chez les Grecs, dans la Grèce archaïque, etc. Il dit, bien sûr, on pourrait tenir le discours économiste, etc., qui consiste à voir... aller chercher l'invention de la monnaie du côté du développement des échanges pour dépasser un peu les obstacles posés par le troc. Et il dit, oui, mais Marx, au fond, lui-même, Marx, n'a pas dit ça. Alors, il cite un texte de Marx. Et ensuite, il va chercher, lui-même, Foucault, les origines de la monnaie dans une espèce de régulation des luttes des classes. D'accord ? Donc, dans quelque chose qui est assez proche... de ce qu'on pourrait appeler une perspective marxiste. D'accord ? En tout cas, la première fonction de la monnaie, on le comprend en le lisant, c'était une fonction anticapitaliste de régulation des classes sociales. Deuxième exemple, dans le cours de 72, il thématise ce qu'il appelle l'illégalisme. Alors c'est là où il met en place, il se pose la question, qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? On n'a jamais bien pensé le pouvoir en Occident, etc. Et puis il dit, oui, on a toujours trop tendance à penser le pouvoir dans sa fonction négative de répression, ou le pouvoir à partir de la loi et du droit, etc. Et pour essayer de donner une autre version du pouvoir, il dit, au fond, pour repérer le changement d'une modalité de pouvoir... Il y a une espèce de marqueur qui est tout à fait important, c'est ce qu'il appelle les illégalismes. D'accord ? C'est-à-dire qu'il dit, au fond, la société, le pouvoir, c'est une espèce de gestion des illégalismes. C'est pour ça qu'on voit bien que c'est pas... C'est-à-dire quels illégalismes on va tolérer, quels illégalismes on va combattre, et quand vous avez un changement important dans ce qu'on accepte ou non comme illégalisme, ça veut dire que le pouvoir est en train de changer. D'accord ? Et quand il explique ça, il dit, voir l'article de Marx sur le vol des bois. C'est-à-dire, Marx lui-même avait compris que le pouvoir n'était pas réductible à la loi, etc. Et enfin, bon, il fait un peu la même chose en 76 sur où il cite une lettre à Engels sur la généalogie de la lutte des classes dans ce qu'on appelait la guerre des races. Enfin, mon problème, c'est vraiment les tactiques discursives ici. Donc, vous voyez le dispositif. Quand il dit quelque chose d'important, il va mettre une citation de Marx, mais sans plus, de manière très fugace, mais qui n'est pas une espèce de petite particule isolée, mais le marqueur du fait que toute l'analyse que je suis en train de développer, au fond, Marx aurait pu la faire aussi bien. Quand il est à l'étranger, il se montre, en donnant des noms, en citant Althusser, Goldman, Lukács, etc., très, très anti-marxiste. Et à chaque fois, il dit les marxistes ou les soi-disant marxistes, les marxistes ou ceux qui se disent marxistes n'ont rien compris. Il prend la notion d'idéologie en montrant que c'est une notion qui reste, au fond, tout à fait classique et peu intéressante, etc. Donc, vous voyez, la manière dont il fonctionne dans les années 70, je laisse de côté les années 80, c'est de construire un rapport différent à Marx et au marxisme. C'est-à-dire de faire de Marx, d'où le titre, hein, une espèce de compagnon clandestin et objectif qui l'accompagne, d'accord, qui l'accompagne. Et d'ailleurs, il dira même en 75, il aura même cette phrase, au fond, tout historien est marxiste. C'est-à-dire qu'au fond, Marx est celui qui a déployé une espèce d'espace depuis lequel et dans lequel on peut faire de l'histoire. Donc, quand il est à l'étranger, au Japon, au Brésil et aux États-Unis, c'est là que j'ai trouvé les exemples, il se prononce et il s'affiche lui-même comme un anti-marxiste, mais un anti-marxiste, c'est-à-dire il est contre ces marxistes-là qui ne sont pas Marx, et quand il est au Collège de France, une fois par an, il donne une référence précise de Marx qu'il situe dans le prolongement de ses propres... Donc, c'est
un truc un peu compliqué et un peu, si vous voulez, un peu étrange. Et j'ai trouvé dans la boîte 79 voilà, du Collège de France un papier complètement inédit qui s'appelle « Mon rapport au marxisme 1, au texte de Marx 2 ». Et qui donne un petit peu la solution de cette espèce de posture très très étrange. Donc je vais vous faire un petit peu cette lecture de ce papier. « Mon rapport avec le marxisme ». Voilà ce qu'il écrit. Le marxisme, depuis la fin du XIXe siècle, n'est pas dissociable de tout un appareil, ou plutôt de toute une série d'instances. État, parti, académie, section, idéologique, rédaction de journaux, porte-parole, idéologue officiel, dépositaire reconnu de la doctrine, etc. Ces instances, les instances du marxisme, savent. En ce sens qu'elles apprécient, examinent, notent, avertissent, mettent en garde, reconnaissent les ennemis, gratifient les fidèles, etc. Bon, elles savent, mais qu'est-ce qu'elles savent ? Elles savent si vous êtes marxiste ou non. C'est-à-dire qu'il dit, au fond, est-ce que je suis marxiste ? Demandez à ces instances. Et il a cette phrase assez fracassante, « Être marxiste, c'est comme être juif en URSS, on l'est quand les autorités l'ont marqué sur le passeport. » Est-ce que je suis marxiste ? Il faut le demander à ces juges qui, de haut en bas et à la petite semaine, administrent avec zèle le marxisme. Ce n'est pas à moi de le dire. D'accord ? Donc, une espèce de rapport, on voit qu'il construit cet objet qui est le marxisme, mais comme appellation, comme désignation, avec une espèce d'épaisseur un peu violente, hein, une espèce d'assignation qui vient de l'extérieur. Et d'ailleurs, il faudrait que je retrouve, il donne une espèce de liste presque drôle en disant, bah ouais, si vous voulez savoir, voilà ce qu'on a dit de moi, voilà ce qu'on dit de moi, ces instances. Dernier rempart de la bourgeoisie, agent du patronat, idéologie des technocrates, irrationaliste nietzschéen, rationaliste mécaniste, positiviste, négateur de l'histoire, philosophe relativiste, historien idéaliste, étranger au matérialisme dialectique ou historien matérialiste auquel manque la dialectique, etc. C'est-à-dire, il fait la liste de toutes les désignations négatives que les instances ont données de lui. Ensuite, il dit, allez me demander si moi je suis marxiste. C'est pas possible. Et ensuite, il y a donc, c'est un papier qui a jamais été édité, parce que j'ai trouvé ça dans une boîte qui est la boîte 79, où en fait il est question de tout autre chose, mais il a dû rédiger ce texte quand il était au Japon, quand il est allé au Japon pour la deuxième fois, parce qu'il est contemporain de ce texte, un entretien avec un philosophe marxiste japonais, et donc là, si vous voulez, on le sent un peu embarrassé, et il a dû se dire, donc je dois régler ce problème que j'ai avec le marxisme et Marx, etc. Donc il écrit ce papier, et deuxième partie du texte, ça fait en tout, vous avez 5-6 pages recto verso, quel est mon rapport cette fois avec le texte de Marx ? Et là, il commence en disant, je ne suis pas un commentateur de Marx. J'ai lu Marx, mais je ne suis pas un commentateur. Et voilà, mon rôle, ça existe et c'est très légitime. Vous avez des lecteurs, ce qu'on appelle des spécialistes de Marx, etc. Et il dit, ça, ce n'est pas mon boulot, donc je n'ai pas vocation à le commenter. Et, continue-t-il, à ce moment-là, me restent deux possibilités. Ou la mise en œuvre de Marx, ou la mise en citation de Marx. Et présente ça de manière très, 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 très différente. Donc, mise en citation, ce serait quoi ? Ce serait le fait de saturer chacune de mes positions, de mes affirmations, d'une petite étiquette, une citation de Marx. Vous voyez, il l'avait dit, donc, voilà. Donc, cet accompagnement systématique, il le présente comme ça, cela a bien des avantages, ne serait-ce que le merveilleux laxisme théorique que cela permet, qui analysera jamais tous les rapports possibles entre ce qu'on dit et la citation dont on le soutient, qui dira les modalités innombrables selon lesquelles la citation fait preuve. Il y aurait toute une histoire à faire, depuis les Grecs, de la raison citationnelle. Il faudrait écrire une critique de la raison citationnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on cite ? Et on voit bien que lui ne supporte pas. Alors, il cite une fois comme ça pour faire une espèce de marqueur,
mais sans ça fonctionner à la citation, il trouve que ça relève d'un laxisme théorique insupportable. D'accord ? Et il continue, cette liberté à prouver n'importe quoi par la citation, on la paie cher du prix de l'entrée dans le procès d'identification. Voilà. La citation postule, etc. Et donc, deuxième partie de cette deuxième partie du texte, et j'arrive à la fin, je ne retiens donc qu'une manière de faire avec les textes de Marx, la mise en œuvre de ces formes d'analyse. C'est-à-dire, il est en train de nous dire, je n'ai cessé de mettre en œuvre Marx dans tous mes cours, dans toutes mes positions. Et je ne l'ai jamais dit parce que le dire, ça aurait été rentrer dans un processus d'identification et de polémique stérile avec les marxistes qui m'était absolument insupportable. D'accord ? Donc je lis la fin de ce texte. « Je ne retiens qu'une manière de faire avec les textes de Marx, deux points, la mise en œuvre de leur forme d'analyse, de leur proposition théorique et de leur concept, et ceci non point pour assurer une répétition, mais pour produire, si c'est possible, à partir de là, quelque chose de nouveau. » Donc voilà, si Foucault, ce sera le mot de la fin, si Foucault au Collège de France ne cite jamais, ou si peu, je veux dire si peu que rien, à chaque fois, une fois, ou si peu Marx, c'est pas qu'il l'ignore, c'est pas qu'il dédaigne, c'est que silencieusement, mais efficacement, il est en train de le mettre en œuvre. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Frédéric Gros, pour cette... Alors, peut-être que je me permets de poser une question, peut-être un peu générale, mais est-ce que vous, en tant que spécialiste de Foucault, Vous pensez que Foucault a raison de dire que son œuvre est la mise en œuvre de Marx ? Non, je sais qu'elle est non, un peu injuste comme question, mais est-ce non, que... Non, 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 j'allais dire oui profondément et non, oui profondément en ce sens que quand il repère l'idée, qui est vraiment la première idée que je vais décrire des processus, il a cette parole en 55 en disant... il n'y a que la critique, il n'y a que la réalité qui puisse critiquer la réalité. C'est une phrase quand même assez forte et très marxiste. Mais on ne sait plus dire quoi, marxiste, marxien, marxologue, etc. Je trouve qu'il y a... Je repère en tout cas une espèce, dans les années 50, au moment de sa formation, une mise en note, en tout cas, fiévreuse de Marx, c'est des centaines de fiches de lecture hein, dans la tradition de Molitor, et quelque chose comme à la fois un appel, un soutien, c'est-à-dire que c'est cette espèce, une exigence, voilà, quelque chose qui serait une exigence marxiste, oui, et peut-être plus forte même que l'exigence nietzschéenne. Après, dire que c'est de la mise en œuvre du texte de Marx, non, mais enfin bon, il y a une manière, par exemple, si vous prenez « Surveiller et punir », d'une certaine manière, quand il parle de la discipline, il est en train de compléter le Capital de Marx. Le Capital de Marx vous montre comment on transforme une force de travail en force de production, sauf que la question de savoir comment on transforme une force de vie en force de travail, c'est-à-dire comment l'ouvrier, quand il arrive à l'usine, peut se mettre à travailler de manière régulière, soutenue, etc., c'est assuré par la discipline. Donc, vous voyez, c'est compliqué. En tout cas, je trouve que, voilà, cette manière de dire qu'il y a un travail silencieux des textes de Marx, oui, ça oui. Oui, je ne peux pas me dispenser de poser une question ou de faire un commentaire. En fait, ces problèmes qui émergent peu à peu dans le colloque sont tous autour de comment être novateur et original en s'affrontant à un massif pareil. Il n'y a pas 36 solutions. Soit je ne le connais pas ou je le critique sans le connaître, soit je l'ai vraiment travaillé. Mais si je le cite, ça veut dire que les marqueurs de la citation sont si forts que, comme vous l'avez dit, on est identifié, on est ramené à pas grand-chose, parce qu'on est immédiatement mis sous l'appareil. Le texte de Foucault, là, est formidable. Soit on est prédateur,
et parce qu'on a sa ligne d'analyse qu'on a constituée, ce qu'on peut appeler son coefficient d'originalité ou de génialité, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'on a un programme de recherche et que, de toute façon, la recherche, c'est la recombinaison. On prend ici, on prend là, et on va créer quelque chose de nouveau, mais surtout de manière prédatrice. Donc fidélité, infidélité, tout ça passe par-dessus bord. Et ceux qui sont les Beckmesser, qui comptent les nombres de points, nombre de citations exactes ou pas exactes, ça, c'est pas pour ces gens-là, c'est pas pour ces créateurs-là. Donc ça, c'est une belle leçon, je trouve. Alors, que ça s'appelle Nietzschéen ou autre, chez Nietzsche, il y a une morale de l'invention, certainement aussi, et une morale des passions tristes devant l'inventeur. Ça, c'est vrai encore plus. C'est-à-dire, comment ne pas inventer en étant jaloux, admiratif, non, envieux, certainement, etc., etc. Enfin bon, il y a tout ça chez Nietzsche que certainement Foucault connaissait admirablement, ça, c'est sûr. Donc voilà, et je trouve qu'il donne en fond la formule de, assez paradoxale de qu'est-ce que c'est qu'une relation, c'est presque un double bind, c'est qu'est-ce que c'est qu'être en relation avec un auteur pareil qui a trouvé des choses essentielles selon lui pour penser la société sans se mettre à la remorque d'un marxiste, de Marx, et pire, d'un marxiste, c'est-à-dire qui aurait rabattu tout ça sur des technologies de clones qui pensent, qui donnent du prêt-à-penser et qui fait du comptage d'exactitude avec du prêt-à-penser, c'est-à-dire de l'œuvre de Marx à Fadi. Mais Foucault lui-même, alors c'est la question, n'a pas été dans la distinction entre le jeune et le pas jeune Marx. Si, et d'ailleurs dès 55, on trouve même l'idée de coupure. Alors, c'est ça qui est fou, c'est que Althusser, c'est les textes des années 60, et lui, mais c'est assez curieux parce qu'il il parle de coupure entre les deux Marx. Mais cette coupure, pour lui, n'a pas le sens d'un passage d'une philosophie à une science. Ce qu'il essaye de saisir, c'est le moment où, pour Marx, philosopher vraiment, c'est liquider la philosophie. Et qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie continuer à tenir la parole philosophique tout en sachant que ce qui est profondément réclamé, c'est quand même je pense en essayant de vous répondre, au fond c'est peut-être la plus belle idée de ce qui s'appelle la critique, c'est-à-dire que la philosophie n'a pas en soi son principe de légitimation. Et la philosophie ne philosophe vraiment que quand il entreprend le procès de délégitimation de la philosophie. Là, il est dans la philosophie. Et ça, c'est la modernité pour Foucault. Voilà. C'est-à-dire quand... Et ça, c'est Marx, et après, ce sera Nietzsche, évidemment. Et ça, c'est-à-dire entreprendre le procès de délégitimation de la philosophie, c'est... Alors c'est pour ça qu'ensuite le rapport à la critique sera tellement, tellement compliqué. On en parlait au déjeuner, quand on dit les Lumières, Foucault, anti-Lumières, oui, enfin, sauf qu'il se donne, lui, comme un représentant des Lumières, comme un kantien, en disant je prolonge Kant, mais je ne le critique pas. C'est-à-dire, oui, j'entreprends le procès en légitimation de la philosophie, oui, on a le droit de poser la question de l'universel, etc. Oui, mais c'est ça la philosophie. Ou alors, on est dans la répétition, dans le dogme, et on est dans l'Église, quoi. C'est-à-dire que simplement, on récite des choses. Donc, je trouve que le fait qu'il soit allé chercher chez Marx ça, parce qu'il était pris lui-même dans ce procès où on lui disait, bah alors, quel père, ton papa, c'est Althusser ou c'est Hippolyte, c'est elle. Et là, et puis, il prend la tangente, quoi. Alors, des questions? Oui.